Ça, c'est l'avion de Roblox Brookhaven qu'on connaît tous. Sauf que le problème avec cet avion, c'est qu'on ne peut pas du tout le conduire. Là, regarde, je me mets à l'avant. Bon, on peut pas rentrer, on peut pas le conduire et il peut même pas voler. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te montrer plein de moyens de voler en avion sur Roblox Brookhaven. Reste bien jusqu'à la fin puisque je suis sûr que tu ne connais pas le dernier moyen. Mais juste avant, et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, tu perdras tous les Robux que tu avais sur ton compte Roblox. Donc, à ta place, je m'abonnerai pour avoir plein de Robux. Donc à ta place, je m'abonnerai. Et donc pour le premier moyen, on va directement rentrer dans l'aéroport puisqu'on va essayer de voir est-ce que c'est possible de conduire l'avion de Brookhaven. L'avion qui se trouve donc juste ici. Donc on va directement rentrer à l'intérieur et nous voilà à l'intérieur de l'avion. Et regardez juste là-bas, il y a le cockpit. Donc c'est la place où normalement le pilote d'avion se trouve. On va essayer d'aller à l'intérieur. Et normalement ici, on est censé pouvoir totalement piloter l'avion. Donc on va essayer de se mettre à la place du cockpit. Et on va prendre aussi le métier de conducteur d'avion. Et voyons voir si c'est possible de le conduire avec celui-là. Et j'ai pas l'impression que ça bouge grand chose en tout cas. On va essayer à la deuxième place, juste à ma droite. Et voyons voir si ça change quelque chose. Et wow, l'avion bouge beaucoup. Mais j'ai pas l'impression que je conduis moi. Et qu'est-ce que ça ferait si j'appuyais sur ce bouton juste ici? Peut-être que ça m'aiderait à mieux conduire l'avion. On va essayer. Et oula, il y a une alerte dans l'avion, tout clignote en rouge. Regardez, ça clignote en rouge et blanc. Oh non, je crois qu'il faut vite partir de l'avion. On va essayer de partir comme on peut. Regardez, l'urgence là, l'émergence est activée. Et tout clignote. On va essayer de se parachuter sur Brookhaven afin de s'enfuir de cet avion. Là, ça devient beaucoup trop dangereux. Et on va trouver un autre moyen de voler en avion. Et bon, là, on vole, mais c'est pas du tout en avion. C'est pas comme ça qu'on voulait voler, nous. Nous, on veut voler vraiment avec un vrai avion sur Brookhaven. Et bon, la deuxième astuce, elle te permet de voler à l'aide d'un camion. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement faire apparaître un camion sur Brookhaven et renommer l'avion plane. Donc, plane en anglais, ça veut dire avion. Et avec une certaine méthode, on devrait pouvoir voler. Et c'est qui, lui? Il me dit quoi? Non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. J'ai vu l'astuce sur TikTok. Et il me dit quoi? C'est fake. Voilà, j'espère vraiment qu'il a pas raison pour cette astuce. Puisque si c'est fake, ça veut dire que je pourrais pas voler avec le camion. Mais tu sais quoi? Je te prouverai que l'astuce TikTok est vraie. Hein. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois monter à l'avant du camion comme ceci. On lâche l'arrière du camion et on va essayer d'éloigner l'avant assez loin pour ne pas qu'il nous gêne quand on va essayer de faire voler l'arrière du camion. Il m'a dit quoi? Il fallait regarder sur les shorts YouTube. Mais t'inquiète pas, l'astuce TikTok, elle va aussi marcher. Et bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement réinitialiser notre personnage. Puisque pour faire l'astuce, il nous faut un personnage très très gros, donc qui prend beaucoup de place. Comme ça, normalement, ça a plus de chances de marcher. Et là, tu vas voir que c'est vrai. Car regarde, si on va à l'arrière du camion, hop là, on va l'ouvrir comme ceci. On va se mettre à l'avant et on va bien se coller à l'avant du camion. Et normalement, si on marche vers l'avant, on est censé pouvoir voler. Alors, seul problème, c'est que là, le camion, il vole pas du tout. Là, j'ai l'impression que ça marche pas. J'ai beau avancer, mais ça vole pas. Essaie de venir avec moi, toi, l'autre, là. Normalement, il y a encore quelques temps, ça marchait. C'est vraiment pas normal que ça marche pas. Allez, essaie d'avancer avec moi. Et, wow! Pour lui, ça marche. Regardez, le camion, il vole dans tous les sens. Attendez, on va essayer avec un double compte à moi pour voir si ça marche. Ok, donc je viens de ramener un double compte à moi juste derrière moi qui peut donc mettre un camion à ma place et voyons voir si cette fois-ci, ça a marché. Donc hop là, là, comme la première fois, on a enlevé l'arrière et on le met bien sur le côté pour que ça dérange pas. Et cette fois-ci, on va réessayer de se faire l'astuce en se mettant à l'intérieur. Et non, toi, tu dégages de là, toi. Toi, tu rentres pas avec moi. Et lui, il volera pas. Il y a que moi qui volerai. Tu m'as dit que l'astuce, elle marchait pas. Et bah, c'est le moment d'assumer. Et donc là, on va à l'avant. Et wow, attendez, mais ça vole totalement. Et non, ça s'est retourné. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il m'a dit quoi l'autre? Qui m'a dit ça marche pas. Mais si ça marche, tu vas voir. On va réessayer une deuxième fois. Et cette fois-ci, ça devrait marcher. Donc là, on court vers l'avant. Et on va essayer de faire avancer le camion. Et wow. Ah mais là, il est carrément parti sans moi. Allez, on va essayer une nouvelle fois. Et cette fois-ci, normalement, je l'ai mieux positionné. Et on est parti. On marche à l'avant. Et oula mince. Faut bien que je marche bien droit par contre parce que là sinon ça va pas du tout décoller. Et wow! Attendez mais ça vient de me faire voler totalement à l'autre bout de la map, c'est quoi ça? C'est pas du tout ce qu'on devait obtenir. Allez, on essaye une dernière fois et cette fois-ci on devrait bien voler. Et attention, oula, pourquoi on se met à tourner comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'avance mal. Ok, on va bien avancer vers l'avant du camion. Et normalement, oula, eh ben, il part de nouveau sur la map. Bon, en tout cas, cette technique, elle marche bien visiblement, mais à moitié, puisque une fois sur deux, le camion, il part sous la map. On va réessayer quand même une dernière fois cette astuce avant que je te montre comment voler avec des vrais avions sur Brookhaven. Attention, on va réessayer de monter à l'avant. Et on va se mettre dans le coin juste ici. Et on va essayer d'avancer. Hop là, on court, on court, on court. Et mince, ça marche pas. Faut bien que je cours. Allez, on court. On court dans le coin là. On bouge, on fait des gauches-droites. Et wow!
Ok, ça m'a fait vraiment voler, mais pas avec le camion. C'est un peu problématique. Bon, en tout cas, visiblement, cette méthode marche bien. On peut voler, mais bon, c'est pas totalement ce qu'on veut, car nous, ce qu'on veut, c'est vraiment voler avec des avions. Et d'ailleurs, on va s'enlever ce skin de King Kong, là, parce que j'en ai marre, voilà. Je vais redevenir un requin, là. Et donc, la prochaine méthode pour voler, par contre, malheureusement, il faudra un pass, mais cette fois-ci, elle marche bel et bien. Pour ce faire, tu cliqueras sur les caméras de domicile en haut à gauche, et tu vas aller prendre une maison qui se trouve dans le pack... le pack propriété juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va râler sur les caméras de domicile et on va se téléporter juste ici, voilà, à une maison du pack propriété. Hop là, donc on va aller se prendre juste ici une maison. Et pour ce faire, il faudra prendre ceci comme maison, le camp militaire de Brookhaven. Donc on valide directement. Et dans cet endroit, il y a un moyen de voler sur Brookhaven avec un véritable avion fonctionnel. Donc malheureusement, ce pack, il vaut de l'argent, hein. Il vaut quand même... il me semble qu'il vaut 700 Robux, 400 Robux, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quand même beaucoup et c'est une certaine somme. Donc vraiment, si tu peux pas te le payer, bah ça vaut pas forcément le coup. En tout cas, on va directement rentrer dans le grand bâtiment principal puisque c'est là où se trouve l'avion. Donc Restricted Area, on rentre directement à l'intérieur et on va se rendre au sous-sol de cette maison. Une fois que nous sommes au sous-sol, on va avancer dans le grand parking juste ici. Et juste à côté, on arrive à cet endroit-là. Et cet endroit-là, comme tu le vois, il y a deux boutons, un bouton jet et un bouton porte juste à côté. Donc le bouton porte, il te permet d'ouvrir la grande porte juste en haut. Et le bouton jet, il te permet de faire apparaître un véritable avion fonctionnel sur Roblox Brookhaven. Donc regarde, là, on a un véritable avion devant nous que on peut bien sûr piloter. Car regardez, si je vais à l'intérieur, hop là, comme ceci... Je peux déjà le customiser et le mettre de la couleur d'un avion blanc de Brookhaven. Et là, il a plus du tout l'air d'un avion militaire comme il était avant. Là, c'est vraiment un vrai avion. On peut aussi le mettre en noir, mais je préfère vraiment le mode blanc. Il fait vraiment comme le vrai avion qu'on a dans Brookhaven. Et là, si j'appuie ici pour voler, regardez, je commence à m'envoler totalement. Et là, je vais dans le ciel, je monte très très haut. Et ok, voyons voir. Oula, ok, là, je peux à peu près changer le sens comme un hélicoptère. Et si on augmente la vitesse, regardez, oulala, je vais hyper vite, comme un véritable avion, là ça va beaucoup plus vite qu'un simple hélicoptère. Alors on va remettre quand même en... Ok, non, c'est déjà en blanc, d'accord. Et là, regardez, je vais super rapidement. Et si je veux atterrir, je fais comment? Ok, si je veux atterrir, je peux déployer des roues, on va essayer d'atterrir avec l'avion. Oula, l'avion, j'ai l'impression que je l'ai légèrement coincé dans le sol, là, je crois qu'on va se crasher. Ah non, ok, c'est bon. On va essayer de descendre un petit peu, petit à petit. Et on va essayer d'atterrir sur le sol avec l'avion. Voyons voir si c'est possible d'atterrir avec cet avion. Puisque c'est un véritable avion de militaire sur Brookhaven. Et ok, est-ce que c'est possible d'atterrir avec les roues? J'essaie d'atterrir là. Et j'ai l'impression qu'on peut plus ou moins. Non, on peut pas trop. Ok, c'est dommage, j'ai l'impression qu'on peut pas trop atterrir avec les roues. En tout cas, c'est très difficile d'atterrir. Et ouais, j'ai beau essayer plusieurs moyens. Mais malheureusement, c'est très difficile d'atterrir. On va essayer de voir quand même qu'est-ce que peut faire cet avion. Jusqu'à quelle vitesse il peut aller. On va monter la vitesse à fond et il peut aller que jusqu'à 200 de vitesse. Alors 200 de vitesse, ça va quand même très rapidement. Là, on parcourt la map de Brookhaven en seulement quelques secondes. C'est hyper rapide. Et là, par contre, on va totalement arriver dans le vide de Roblox. Là, on arrive dans le vide de Brookhaven. Là, si je saute ici, on va totalement mourir. Attendez, je vais essayer de sauter quand même, mais je crois pas que je vais survivre là. Allez, on saute. Wow. Et oh non. Ok, ouf. J'ai réussi à survivre, je suis atterri dans l'eau. Mais bon, le problème de cette astuce pour voler, c'est qu'elle est payante. Et je suppose que toi, tu veux une astuce sur Roblox de Brookhaven pour voler totalement gratuitement. Donc c'est ce que je vais te montrer directement. Pour ce faire, on va se rendre directement à côté de la mer de Brookhaven. Donc on va se téléporter à une île, comme ça c'est quand même plus rapide. Voilà, l'île numéro 35. Ok, donc une fois que vous êtes à côté de votre ami sur l'île, vous allez devoir le porter une première fois comme ceci, porté en tant que blessé. Donc voilà, on va attendre qu'il accepte. Et une fois qu'il a accepté, regardez ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir déconnecter de Brookhaven avant même que votre ami ait le temps de s'enlever de vos bras. Donc là, je vais vite quitter Brookhaven. Hop là, on quitte. Une fois ceci fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement se reconnecter à Brookhaven puisqu'on aura besoin de vite revenir vers l'ami qu'on a laissé tomber une fois qu'on s'était déconnecté. Donc nous voilà reconnectés. Et maintenant que je suis reconnecté, je vais me retéléporter au niveau de la maison numéro 35 de Brookhaven. Donc nous y voilà. Et normalement, on va retrouver l'ami qu'on a laissé tout à l'heure. Et où est-ce qu'il est passé?
Me dis pas qu'il est tombé dans l'eau. Ah ok, les gars, je viens de le trouver. Il est juste en dessous de l'eau. Et il est passé où? Oh non, je crois que j'ai mis un peu trop de temps. Je vous le refais et je vous retrouve dès que je suis à côté de lui. Et donc c'est bon, je suis de nouveau à côté de lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement maintenant le demander à le porter en épaule. Comme tu vois, une fois que ton ami est dans cette position, tu peux uniquement le porter. Tu ne peux plus du tout le mettre en tant que colocataire ou quoi que ce soit. Et tu vas devoir lâcher ton ami comme ceci. Donc là, normalement, ton ami apparaîtra sur toi comme si tu ne l'avais pas lâché. Et pour être sûr qu'il ne s'enlève pas, tu vas devoir t'équiper d'un skateboard, voilà, comme ceci. Alors là, faut que je fasse attention par contre parce que je suis un peu dans le sol. On va essayer d'avancer un peu pour sortir du sol quand même. Et donc, ce que tu vas devoir faire une fois que ton ami est sur toi et que tu es bien en skateboard, tu vas devoir faire apparaître n'importe quel type de bateau. Donc moi, je vais choisir celui-ci parce que c'est un de ceux que je préfère. Mais toi, tu peux faire apparaître n'importe quel type de bateau. Veille bien à te remettre en skateboard juste après. Pour être sûr de pas mal faire l'astuce. Hop là, voilà, une fois que tu es en skateboard, masque, oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, une fois que tu es en skateboard, donc, tu vas pouvoir remonter dans le bateau et aller le conduire. Et donc, une fois que tu conduis le bateau, il se mettra à tourner comme ceci. Et la dernière étape, tu vas devoir marquer Wolf comme ceci, W-O-L-F dans le chat de Brookhaven et valider. Et là, tu vas te mettre à tourner comme ceci. Et une fois ceci fait, si tu pilotes le bateau, regarde, tu voles comme un véritable avion sur Brookhaven. Là, on vole totalement et c'est vraiment beaucoup trop incroyable. Alors normalement, je peux même m'envoler encore plus haut que ça. Là, je suis pas très haut, mais normalement, on peut s'envoler beaucoup plus haut. Et franchement, c'est beaucoup trop incroyable. On peut vraiment voler énormément à l'aide de cette astuce. Pour finir, si tu as vraiment envie de te customiser totalement, tu peux aller dans l'éditeur d'avatar juste ici, aller dans les chapeaux et rechercher juste ici « Plane ». Tu tomberas alors sur plein de déguisements d'avion. Et là, tu pourras devenir un véritable pilote d'avion. Donc là, par contre, eux, ils sont pas ouf. Lui, il est plutôt cool. Ça fait comme si tu avais un avion à l'avant de toi. Et là, tu deviens un véritable pilote d'avion. On va essayer de voir si t'en as des mieux quand même. Non, lui, c'est un petit avion en haut. Lui, t'as un gros avion en dessous de toi. Ça, c'est plutôt cool par contre, un gros avion en dessous de toi. Ok, mais franchement, c'est plutôt cool de voler comme ceci. T'as vraiment l'impression d'être que véritablement un vrai avion. Sur ce, n'hésite pas à liker et à t'abonner à rejoindre mon groupe Roblox. J'ai tous un ami qui sont abonnés, qui rejoignent mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire.